travaux dans le bâtiment. Je suis artisan à mon compte. Dans le médico-social, éducateur. Je suis moi-même pratiquant fitness, j'ai été aiguillé par d'autres franchisés. J'adore le sport, c'est d'évoluer dans un domaine en pleine évolution, c'est du travail mêlé au plaisir. Alors je suis pratiquant moi-même d'une salle de sport, c'est ma passion. C'est une franchise qui est récente, qui est dynamique, qui a explosé, qui a fait beaucoup de clubs. J'ai vu que le concept était vraiment pas mal. La beauté des clubs, et là aujourd'hui, bah, cette formation, je me sens vraiment accompagné et épaulé par la franchise. Recherche de locaux, donc en collaboration avec William. Recherche de locaux, tout bien avancé, j'espère signer mon bail très prochainement. J'ai commencé les travaux, je suis en pré-vente, j'ouvre dans un mois et demi. Ça y est, c'est parti. Début de la signature avec Olivier, jusqu'à maintenant la formation avec Thomas et Alexandre, il n'y a rien à dire. L'accompagnement est top, l'équipe est jeune et dynamique, ils sont vraiment guidés du début à la fin. Bien accueillis, bien conseillés. Je pense que sans la franchise, on ne pourrait pas ouvrir le salon. Allez-y, foncez. On a toujours une appréhension, c'est logique, mais franchement, je me suis senti vraiment rassuré. Plus hésité, parce qu'on est vraiment bien entouré avec la franchise. Réfléchissez pas trop, moi je viens d'un autre domaine, il faut y aller, il faut foncer, c'est le moment, il faut aller vite. L'équipe est bonne, on signe, on y va. Pas hésiter et foncer, je pense que c'est une aventure qui continuera d'exploser. Bien réfléchir au secteur, les locaux, bien choisir son placement, mais après il faut y aller. Prendre rendez-vous déjà avec la franchise pour en discuter avec eux. Ouverture du club et éventuellement ouverture peut-être d'autres clubs. Bien démarrer ma première ouverture et puis j'espère assez vite en ouvrir d'autres sur mon secteur. Pourquoi pas par la suite en ouvrir une deuxième. GigaFit, numéro 1 du service senior.